Bonsoir et bienvenue pour Ori, deuxième du nom, je l'appelle comme ça parce que c'est trop long sinon Ori and the Will of the Wisp. On avait fait le premier en janvier et du coup on va faire le deuxième maintenant. Parce qu'entre deux j'ai fait des jeux pas ouf, genre les Mass Effect. Et du coup bah, c'est bien de reprendre un peu avec des jeux sympathiques et on dit bonjour à Code Vespera qui est là, ici dans le chat. Bonjour Vesperia et Zevardi. Alors sachant que je sais pas pourquoi, en lançant le jeu, il y a des succès où ça me disait tiens des trucs. Alors que bah, j'ai rien fait encore, je viens de lancer le jeu. Du coup j'ai l'impression que parce que j'avais une sauvegarde de Ori 1, j'ai peut-être des trucs débloqués, on verra. Mais déjà le menu est magnifique, on a à le dire. Ok, le hacker, non, la save du 1 sert à rien, d'accord. Bah je sais pas, il y avait des trucs où je suis à 20 sur 100, un truc dans le genre, dans les succès. Coucou. D'accord, je peux déjà escalader des trucs. Ça va niveau son? Pas trop fort? On peut pas aller... Ah si. Je veux dire, on peut pas aller dans le hamac. Ah oui, c'est le bébé hibou. Pour l'instant, c'est un peu bas niveau musique, mais à voir si ça s'envole un peu après, car sinon, avec. Ok. C'était surtout au niveau de la voix, là, la voix de l'arbre. Elle me semblait un peu forte. Je pense que je peux monter un peu le son, ok. Je peux pas faire plus haut que ça. D'ailleurs, Vesperia, tu ne stream plus. T'as juste stream pour Nier et après. T'as arrêté. Hop. Et chaud. Alors je connais pas du tout l'histoire de ce... le synopsis de ce jeu. On va voir. T'inquiète pas, saute. Sans caméra, c'est dommage. C'est le fait que si je stream, je culpabilise de pas bosser ma mémoire. Ah oui, non, oui, effectivement. Je savais pas que tu avais des responsabilités. Ils sont si mignons, mais oui, grave. Bah. Par contre, contrairement au premier, je vais peut-être pas autant fouiller, etc. Parce que le premier, au final, j'ai pas mal fouillé pour choper un maximum de trucs, mais au final, ça sert pas à grand chose. Et il y a Scarlet Nexus fin de semaine prochaine.
Donc voilà, faut pas non plus tarder. Ah, quelle grosse merde, pardon. Un peu gluant mais appétissant. T'as la ref ou pas? C'est pas genre le truc dans le Roi Lion là, c'est pas. Je te dis ça parce que j'ai l'image en tête, mais je sais pas si c'est ça qui dit. Tu peux fouiller en fin de partie en off si t'as envie. Sinon même à 100%, c'est du 7h environ. C'est pas ce que dit au long to beat. Hein. Au long to beat, ils sont plutôt à 15h main plus extra, et puis du coup plus de 15h pour le 100%. Après, peut-être que c'est une moyenne faite sur des gens qui sont nuls. Si c'est le Roi Lion, bien joué. Le hibou qui mangeait sa petite limace. Ouais. Ok, ouais. J'ai la ref, mais sans vraiment la connaître. Enfin, j'ai l'image en tête, juste. La réponse se trouvait dans le passé. On va monter en DeLorean. Incroyable. Marty. Le 100% de Wrong to Beat, il inclut les succès speedrun. Sans compétences, etc. C'est pour ça, le 100% de la map, c'est tranquillou, bilou. Okay. Oh, on verra. On verra. En tout cas, là on dirait que je connais le jeu alors qu'en fait c'est juste que le jeu il est super intuitif. C'est assez impressionnant. Plume. RT contre les arbres pour planer. Ok. Alors, attention à ce que j'ai touché sur le bon bouton. Oui. Chaque fois j'ai du mal avec RT et RB. Wesh, tiens. Bah c'est con, ça marche pas. Ça dépasse. Mais bon, après, je suis pas du genre à faire les jeux à 100% de manière générale. Donc. C'est pas si gênant que ça. Pas comme ça que ça marche. Ah bah en plus avec un poids. Là le 100% de la map c'est juste parce que c'est chouette à faire, tellement c'est agréable et fluide de se déplacer. Ouais. Bah c'est un peu comme dans le 1 je suppose. Genre depuis tout à l'heure ça marchait. Bon, quand même. C'est si beau.
limite, on dirait une cinématique de fin de jeu. Car le jeu se termine, voilà, j'espère que t'as kiffé. Bon, en vrai c'était super beau, j'ai pris plus de fun que sur Mass Effect. Et là, un chasseur. J'ai l'impression que c'est fort. Game over. Ça fait le vous êtes mort de Dark Souls. Bon, j'espère que là où il y a ma caméra, ça gêne pas par rapport à l'interface du jeu. Un peu plus fort qu'au début je trouve, si tu veux ajuster en baissant. Ben là du coup j'ai baissé un peu, j'ai retiré 2,5 décibels pour être précis sur la fin, mais il y avait l'orage et tout aussi, donc c'est chiant en fait. Évidemment on s'attend à aller à droite, donc je vais à gauche et le jeu m'abraine, je le sens. On va aller à droite. Je sais pas, c'est chiant, je sais pas où aller. Je déteste les jeux comme ça qui commencent et on peut aller dans les deux directions. Je sais jamais où aller. Pour débuter. Une orbe de vie. J'ai peut-être baissé un truc. C'est... Non, LED. C'est les effets sonores. On va mettre comme ça. Petit brasier. Là, je suis déjà à 50. Ok. Dame Ned. Un truc qui brille. Ah non, c'est en haut. Ok. Là, bah, le problème, c'est que je n'ai pas de pouvoir. Je vais au pif quelque part. C'est quoi ça? Une limace. Je sais pas si... Est-ce qu'on peut sauter dessus? Non, on peut pas sauter dessus. Ah bah tiens, des copains. Oh, une torche. Ah. Oh, je peux taper avec la torche. Prends ça. Foiré. Orbe d'énergie. Hein? Je fous trop le feu à la forêt? Pas loin de foutre le feu à la forêt quand même. Je me balade avec une torche. Oh, un copain! Salut! Ok. Ah, donc les petits trucs noirs, ça doit être des Moki. Oui, je viens d'arriver par les eaux. Alors je lis pas parce que comme il parle un peu en même temps, c'est chiant. Le portail aux esprits. Dans la grotte à l'ouest. Tiens,
partie manquante. Donc à l'ouest, bah par là du coup. Ouf, tout juste. Je sais pas s'il faut que je descende ou pas. Mais non, mais... Il était trop loin. Oula. Il y a des ronces partout. T'es méchant? Mais pourquoi t'es méchant? Écoute, tu vas cramer, hein. Aïe. Je voulais pas le taper. Ah, et donc là, il y a de l'eau, donc je vais perdre la torche. Il aurait pu garder le bâton. Pourquoi il a pas gardé le bâton? On peut toujours taper avec un bâton. Alors que là, je me retrouve sans rien. Merde. Et c'est... Ouais, c'est... C'est aussi beau que le premier, hein. En plus, il est pas sorti... Il est sorti quand même assez rapidement, le deuxième, par rapport au premier. Je sais pas combien ils sont dans le studio, d'ailleurs. Bah tiens. Donc là, il y avait rien en bas. Ah, il y avait de la vie. Et peut-être quelque chose, mais il me faut une torche. Salut. Alors attends, je vais chercher une torche, je reviens. J'avais dit que j'allais pas explorer, hein. C'était où la torche? Dammit! Je sais pas où c'était la torche. 2015 et 2020, ok. 5 ans quand même, ouais. Bon, je vais peut-être quand même parler pour les dialogues, je préfère. Donc attends, voilà. Et c'est bien une pierre clé que je vois là. En voilà une autre pour la peine. Je suis un oiseau de parole, n'est-ce pas? Maintenant, je peux poursuivre mes voyages à travers les merveilles perdues de Niwen avant que nous en perdions d'autres. Et toi, tu peux continuer ce que tu faisais. Bonne chance. 80 employés à peu près en 2020. Ok. Quand même une grosse équipe. Je peux pas ouvrir ici. Ok, je pensais qu'ils étaient moins. Oula! Une grosse bébête. Là, je peux pas y aller. C'est parti, course poursuite. Et si je me souviens bien en plus, ouais. Et si je me souviens bien, leur prochain jeu, ça sera un jeu qui n'a rien à voir avec Ori, non? Alors que là, je suis mort, mais je suis pas d'accord avec le jeu. J'étais en dessous du loup, il tape devant lui, je suis mort. J'ai pas compris.
bizarre l'ambiance. Mais quoi, je me suis... Je me suis pris un coup, mais en fait c'était un coup scripté. Mais quoi, mais... Et bordel de merde. Mais... J'arrive pas à comprendre quand est-ce qu'il faut le taper. Je comprends pas. Quand il s'approche, je me prends des coups. Quand c'est moi qui m'approche, je me prends des coups. À l'aide. Faire la dernière fois, mais je me prends quand même des coups. Je me prenais des coups parce que j'atterrissais sur sa patte, mais sa patte, il y a quoi? Elle est radioactive, hein. Je touchais le dessus de sa patte, c'est même pas là où il y a des pics. Enfin, des pics, oui, bien sûr, ses griffes. Oula, oula, oula. C'est devenu Hollow Knight. Très bien. Dans l'antre d'Hollow. Ok. Il faudra des trucs pour venir ici. Est-ce que... Non, je peux pas sauter là-haut. J'aurais bien aimé trouver de la vie. Mais bon, c'est pas grave. Ah, de la vie. Pour le premier Ori, ils étaient 20 employés. Voilà, je lis des petites interviews du coup. Ok, ok. T'as 20 employés pour le premier, ça c'est incroyable. Un truc qui donne des pouvoirs. Je reconnais, ça brille. Pouvoir de faire 4 doubles sauts et de one-shot les ennemis. Oh, est-ce qu'on rejoue Namu? Tu n'es pas comme les autres. La hurleuse, le crieur. En toi brille une lumière ancienne. L'arbre s'est souvenu, il a su, il l'a lui. Je veux rien dire. Il a partagé sa mémoire avec toi. Ok. Utilise la lumière maintenant, nous voulons voir. Oh, j'ai une épée. Mais c'est vraiment devenu Hollow Knight là du coup. Trop bien. Ah bah ça marche mieux qu'une torche.
Oh non, il y a un truc dans les pics, dans les ronces. Vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien. Je peux pas monter là-haut. Aïe! Faut que j'apprenne les patterns des ennemis. Aimant, tu as obtenu un nouveau fragment spirituel. Utilise-le pour attirer les orbes situées plus loin. Ah! Adieu les trucs qui tombent dans les pics, du coup. Là, si je fais ça. Bon, ça m'a pop sur la gueule, mais. La lumière t'écoute, tu dois être un esprit finalement. Nous les Moki, nous pensions que tous les esprits avaient disparu de Niwen. Parti pour de bon, adieu les esprits. Tu cherches quelqu'un, nous connaissons un découvreur. Un grand découvreur, grand et moustu. Va voir le gardien du marais. Pollock t'aidera à trouver ton chemin. Oh. Détail. Ah, parfait. Minerai machin, fragment de machin, sol, portail. C'est très bien ça. Ils le font pas assez dans les. Dans les Metroidvania. Là en bas ça ne sert à rien. Ah, c'est. Ouais, c'est. C'est le même genre d'ennemi que dans le premier. Ah mais j'ai pas de clé moi. J'ai pas de clé. Et là malheureusement ça ne va pas. Faut que j'aille. Ah mais non. Ah non, il y avait oui je sais où c'est. C'est en bas à droite. Il y avait de quoi. De quoi casser ici, hop. Là, hop, voilà. C'est good aussi. Putain. Pardon. Il me faudra vraiment le double saut. Ça me manque. Ça manque de ouf. Oula. On va aller en bas. Ça c'est le truc le plus frustrant dans les Metroidvania. C'est toujours l'un des premiers pouvoirs à débloquer parce que sinon... Sinon c'est compliqué. Ah merde. Et je sais plus dans quel jeu c'était. Il y a un Metroidvania comme ça. Ou bah je crois que c'est dans Blasphemous. Dans Blasphemous, qui est un Metroidvania. Je voyais des endroits inatteignables et je me disais bon c'est pas grave, c'est quand j'aurai le double saut. Et au fur et à mesure que j'avançais, que je débloquais des pouvoirs, je débloquais pas de double saut. Ah bah voilà, double saut. Du coup ça me frustrait parce que je me disais putain, ils l'ont mis à la fin du jeu, c'est chiant. Et en fait non, il n'y a pas de double saut dans le jeu. C'est juste que c'était obtenable de d'autres manières. Dis-le pour adhérer. Alors aimant. Ah, mais l'aimant il était pas. Ok. Ah, d'accord. Ah, parce que ça, il fallait maintenir une touche dans le 1. Mais du coup, ouais, dans Blasphemous, j'étais en mode putain, il n'y a pas le double saut, il n'y a pas de double saut. Et en fait, non, il n'y a pas de double saut, justement. Et ça me frustrait de ouf de me dire putain, là, je peux pas y aller, j'ai pas encore le pouvoir ou quoi. Bon, c'était le cas, effectivement, j'avais pas encore le pouvoir, mais c'était pas un double saut, finalement. Et du coup, c'est
quand même assez rare de trouver des... des Metroidvania sans, sans double saut. Là, c'est de là d'où je venais, non? Carte. Ah, il était à gauche. Droite, pardon. Bravo. Attends. La lumière des puits irrigue tout Niwen. Elle connecte, elle soigne. Ouais, c'est les téléporteurs. Alors, j'ai rien dit pour les manches. Je savais que t'allais finir par avoir qu'il fallait équiper. Bravo, Blasphemous, pour son manque de double saut. Ben, ça fait bizarre, quoi. Après, au final, on s'y fait. Après, le jeu est assez lourd de base, donc c'est pas, pas plus choquant que ça. Ça, c'est le truc de tout à l'heure. Lui, je vais lui casser la gueule parce que... faut qu'il me respecte. Et là, on peut pas y aller. Youhou! Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Hein. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. J'ai l'impression que je peux pas y aller. Simple, voilà, simple petit feeling comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un truc à pousser dans le coin? J'ai pas l'impression. Ah si! Ah, ils se font pas mal dans la masse, j'ai failli lui passer à côté. Heureusement que j'ai déjà joué à des jeux vidéo. Genre, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de jouer à des jeux vidéo dans ma vie. J'aurais voulu devoir essayer direct. Je suis pas con non plus. Ok. Donc là, j'ai une clé. Mais il m'en faut deux. Ouais, t'es pas con, c'est bien le problème. Bah ouais. Je suis vraiment désolé. Vraiment navré. Il en faut qu'un ou deux de morceaux de clé, du coup. Je commence à douter. Ah, après maintenant j'ai un double saut, c'est vrai. C'est un détail qui peut être important quand même. Je peux pas tomber ici. Ça casse pas. Bon bah tu ne sers à rien, désolé. Parce que maintenant je peux faire ça. Hé. Ah ouais, directement le morceau de clé, d'accord. Même plus d'effort. 100% j'ai dû tenter de passer dans le laser. Ah. Non, bah moi je me suis souvenu du premier Ori, je me suis dit bon bah... généralement il fallait mettre des cailloux devant. D'ailleurs, on n'a pas. Enfin. C'est assez tôt vu que leur. Vu que ce Ori là il est sorti 2020, mais. On n'a aucune info sur leur prochain jeu, à part le fait que ça sera pas un Ori. Finalement. Ok, là en bas c'est... Okay.
D'ailleurs, en parlant de Metroidvania stylé, quand est-ce qu'il sort Silksong? Le prochain Hollow Knight? Parce que merde, hein. Donnez des news, je sais pas, faites quelque chose. Salut! Tu es un esprit, alors tremble esprit, tu fais face à Mok le Brave. Ah, ils ont dit qu'ils bossent sur un ARPG 3D. Ok, ok. Ok. Ah, donc ils passent sur la 3D. Ok, ça va être bien différent du coup. Ce n'est pas très convaincant, je sais, mais je suis courageux. Ou je le serais si j'avais un trophée. Un trophée comme un crâne d'Owl. Ou juste un croc si c'est trop lourd. J'ai entendu le crieur se battre à l'est. Il en a peut-être perdu un. Donc je vais aller à l'ouest, bien évidemment. Juste voir ce qui se passe. Oula. N'attendez pas à voir cet énergumène. Ah. Émérité. Ah, augmente les dégâts infligés et subis. Ah. Peut-être pas, du coup. J'aime bien ne pas subir de dommages. J'irai à droite quand je serai bloqué ici. Aha! Qu'est-ce que c'est que ça? Régénération. Appuyez longuement. Utilise de l'énergie pour récupérer de la vie. On va mettre ça. Mais non, mais. Voilà. Ok. Ah bah j'ai bien fait de venir ici avant. Surtout c'est à droite, il y a un boss. Je sais pas si c'est un boss le mec. Et là je reviens à où j'étais avant. Au tout début. Au début du jeu. Ah j'ai quand même peut-être allé à droite. Parce qu'en plus de toute façon mon objectif est à droite donc... Peut-être un peu plus malin d'aller de ce côté-là. Et la gauche, de toute façon, je devrais y repasser tôt ou tard. Mais... J'étais dans les airs. Y'a rien là à gauche? Non, y a rien. Hop, hein. Crodowl. Ok. Très bien, déjà. Et moi, mon objectif. Ah, mon objectif, ouais, ok, il est là-bas. Il y a un peu de route, il y a un peu de route. Je go sur Animal Royale, amuse-toi bien sur ce petit jeu. Eh bien, merci, merci de passer. Et bon jeu. Ramène des top 1 à la maison. Comme disent les joueurs de foot. Oh, un vrai Crodowl. Personne ne se moquera plus de Mok le Brave désormais. Tiens, c'est pour toi, je suis courageux mais aussi généreux. Un minerai Gorlek. Tu as trouvé du minerai. Un bon artisan peut s'en servir pour réparer des structures. D'accord. Je te dédie mes 3 futurs top 1. Oh. C'est mignon. Bon, du coup, j'ai pas fait gaffe si je pouvais monter. Je vais juste aller voir, mais je pense pas. Donc là, ok. En bas, il y avait rien. Non, il y avait rien.
Et donc là, oui, là, je pouvais pas monter. Ouais, ok. Je ne peux point monter. Là, les structures, pareil, je peux pas les bouger. Je vois qu'il y a, il y a de l'herbe en haut, mais je peux pas l'atteindre. Pas de l'herbe, mais des genres de plateformes. Enfin, pas des plateformes, je sais pas comment dire, des murs, quoi. Sur lesquels je pourrais m'agripper. Bon, bah, du coup, on va bien à gauche. J'ai voulu aller trop vite, encore une fois. C'est ma marque de fabrique. Surtout dans les jeux comme ça où il faut explorer des trucs. Du coup là c'est l'endroit... Enfin, c'est plus ou moins le début. Mais maintenant j'ai une arme. Ah, une arme. Compétence pour taper. Ah, je peux pas casser ça. Ok. Puis la musique, hein, aussi, j'en ai pas parlé, hein, mais... comme toujours, la musique est somptueuse. Mais tiens, il n'y a pas... Ah, ça c'est mon inventaire, ok. C'est quoi ça? Ah, ça c'est les quêtes. Je suppose, enfin les récompenses de quêtes, je sais pas. Y a pas, y a pas encore d'arbre de compétences comme il y avait dans le 1. Je sais pas s'il y en a. Je sais pas s'il y en a dans celui-ci, mais en tout cas. Là, j'ai pas de menu correspondant à ça pour l'instant. Ah merde! Je joue de. Je joue très mal, voilà. Mais pourquoi il a pas couru assez loin lui? Genre. Je me suis fait brain parce que des fois ils font des longs dash, des fois non, des fois ils tapent. Bon, voilà. Une mort. C'est catastrophique. Non, ouais. Mais non, mais j'ai fait un double saut sur place. Voilà. Et voilà. Et là, boum. Un autre minerai. Du coup, à gauche, j'avais pas exploré. Bassin de lumière, terrier de minuit. Bassin, peut-être. Oula. Aïe. C'est my bad. Hop, caché. Voilà. En fait, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure, mais pas vraiment le temps. Ouf. Ah, là c'est fermé.